Bang. Bang. Music you're hearing. Eh non oui, mais c'est vrai mon ami, oui. Attends, mais qu'est-ce qu'on bave hein? Qu'est-ce qu'on bave? Eh ben, ouais. Qui est venu baver au micro de RCV? C'est monsieur Evie Buzz. Alors comment tu vas Evie? Ça va. Ça va tranquillement? Yes. Alors t'es venu nous parler de tes projets perso, donc en tant que Evie Buzz le rappeur, pas en tant que Evie de la voix du hip-hop. Donc alors, dis-nous un peu, c'est quoi les délires là qui arrivent? Ok, c'est la même personne en tout cas, que ouais. Sur la voix du hip-hop ou ce que tu viens de dire. Là, le morceau qu'on s'est écouté, donc, c'est une production de DJ Berlin sur l'album de Metabushka, comme j'expliquais tout à l'heure. Yes. Metabushka qui a sorti leur dernier album, Les Chroniques de la Mouette. Donc ils m'ont invité, donc c'est un morceau sur une prod de Berlin simplement. C'est d'actualité, c'est eux qui font tourner ça sur leur site, lamouetteproduction.com, du moins www.lamouetteproduction.com, tout simplement, tu trouves ça, toutes les informations, tu les trouves là-bas, et si tu veux le CD physique, tu te débrouilles avec, avec leur manière de gérer. Okay. Voilà à peu près. Sinon, à côté, moi, je suis sur deux projets, un projet avec IMD, dont il y a un clip qui tourne, ouais. Lorsqu'on a du temps à tuer. Ouais. Avant ça, il y a une tape qui devrait arriver, si tout va bien, une tape qui devrait arriver. Donc ça serait Consommation d'Affranchi, premier volume, production de Hibou qui est dans les studios d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près ça l'actualité et voilà, on taffe quoi. Et t'as aussi un album en préparation? C'est ce que j'en ai expliqué, c'est pas vraiment c'est des projets, j'ai pas d'album, ce sont des projets. Ça va pas être un album, ça va être une mixtape. Ni une mixtape, c'est un projet simplement conceptuel. Ok, d'accord. Et alors t'enregistres où en fait tes sons? Bah vous avez un gros studio qui est OBDM simplement avec Pépite qui contrôle. D'accord. Qui contrôle voilà tout. Donc je bosse avec Pépite pour tout ce qui est production et les productions c'est IMD et Hibou généralement Hibou. Pour l'instant. Et bah viens me faire un petit bisou quand tu vas enregistrer parce que je travaille juste à côté Vie. Ok, bah passe carrément au studio, ça vaut le coup d'y aller. Ouais, ça marche. Voilà. Studio BDM, voilà, au boulevard de Metz tout simplement, Faubourg de Béthune. On passe carrément. À faire une grosse dédicace voilà, à toutes les personnes du Faubourg de Béthune parce que c'est le quartier d'où je viens. Ouais, voilà, voilà Mathieu, il est né là-bas quand il était voilà, tout petit. Yes, I. Ok, on passe et à la suite. Et du coup, aussi, DJ Berlin, tu parlais de DJ Berlin en fait tout à l'heure. Il organisait des mix parties là en fait. Des block parties. Ouais, c'était vachement intéressant ça comme concept. C'est pas terminé, il y en aura d'autres. Yes, I. Parce que ça, c'était vraiment sympa quoi. T'as participé un petit peu à ces trucs? J'ai fait un peu de com, mais j'ai pas pu y aller puisqu'ils font ça le samedi à un moment où je taffe mon émission et autre chose à côté. Donc voilà, j'ai pas pu y aller à chaque fois. D'accord. Okay. Alors on va revenir un peu sur ta carrière en tant que rappeur. Donc alors moi je voulais savoir comment tu travailles les morceaux, quelle est ta façon d'écrire. Voilà, comment tu bosses un morceau tout simplement. On te file une prod, t'écris sur la prod ou alors t'avais déjà écrit avant. Comment ça se passe pour toi? Ça dépend, il y a toutes les formules en fait. Hein. Ouais. Soit je m'adapte, si j'ai une prod qui me fait kiffer, je m'adapte tout simplement. Ou soit parfois il y a des phases B qui tournent, donc t'écris, après il y a différentes écritures, profondeur, freestyle et voilà, ou simplement ego trip. D'accord, et tu vas chercher où tes inspirations? Qu'est-ce qui t'inspire quoi dans ton rap? Bah tu vis quoi. Ouais, la vie, tout ouais. Simplement, avec un grand V. Avec un V, ouais, si tu veux. Ah, je crois que ça okay. S'écrit comme ça en tout cas. Alors parle-nous un petit peu de ce son là, Ivy. Dis-nous un petit peu, là, on va ça, s'écouter c'est ça. C'est un extrait donc de... Voilà, c'est un projet en... On est en train de faire ça dans les coulisses, donc c'est un extrait de Plus qu'un pressentiment, la production c'est IMD, à qui je passe une bonne case dédiée, voilà. Écoutez, yes, c'est l'exclu. Ouais. C'est c'est simplement un G, donc c'est le pré-mix avant le master vraiment, voilà. Ok, d'accord. Eh bien écoute, c'est tout de suite en exclusivité du coup, sur l'émission Le Venin sur le Vinyle, sur yes. RCV 99 FM, Ivy Buzz mon frère, ça fait 1, 2... 3, 4 et boum dans ta gueule frérot. C'est parti pour la session live en direct du Venin sur le Vinyle. Monsieur Ivy Buzz, DJ 4 tracks au platine. Et après petit freestyle avec Monsieur Slimane, Sanaï. Ok, c'est ça le Venin sur le Vinyle. C'est du gros mec, c'est du gros, écoute ça. Écoute ok, ça. Ok. Check. I pour le V, Y, I, ok. C'est des V style. Ok, écoute ça. Des santé mises en péril pour des soies. 10 ans, instant de bien-être. De plus en plus tôt, joint au bec, trois mondes dans une main, comme guidé par ses démons et à la fenêtre.
des mères qui s'inquiètent, en bas des gamins qui se prennent pour des hommes. Le temps d'une montée d'adrénaline, descente de Condé au quartier, au bord de l'explosion, telle une bombe amorcée, sale mélange corsé de la misère, en hausse comme la répression et la sécurité, évolutive comme la violence, succession de bagnoles qui flambent, comme le prix du baril de pétrole. Nuages de fumée toxique qui vient noircir davantage un ciel déjà gris, tel le ciment, ambiance bitume avec une fois de plus le mal au contrôle. Jeu de la proie et du prédateur à toute heure, arrachage de lecteurs, de portables, de cabas, putain ça tombe pas lors d'une stomba. Un gars qui ne se relève plus, décès d'un junkie par overdose, excès de médoc gobé afin de supporter ce quotidien aussi alarmant que l'auto de mortalité chez les jeunes malheureusement. On s'enfonce comme à Venise, noyé dans des flots de problèmes en grande partie créés par l'État. Au fur et à mesure, c'est le pétage de câbles des plus faibles qui s'organise. Yeah, 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 yeah. Oh, tu peux laisser tourner si tu veux. Ok. Yeah. Check, 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 check. On est là. Une grosse case dédiée à ceux qui sont dans la place. Amène Slimane en face de moi. Derrière, il y a des gars. Sanaï notamment. Monsieur Matt l'Asphalt. Ok, on est en live en direct de RCV Radio. Check, écoute ça, un deuxième verset. I pour le V. Derrière la foule, ailée. Hommes en uniforme, un périmètre de sécurité avec au sol un corps destiné à la craie, putain ça craint, cycle assassin, tel le climat, environ malsain, propagation d'un redoutable venin, entourage atteint. Je ne sais plus à quel sens silicone est voué dans ce monde en plastique comme Bertrand. Ça plane pour qui réellement avec ses coques en sol, les cachetons et autres machins chimiques comme les acides, autant en vogue que la surenchère et la bêtise frangin de autant. Bah, on perd son temps à plaire comme dit Pépite, il n'y a rien de magique. Pour t'avouer, tout est stratégique comme aux échecs. De plus en plus d'espace et de pouvoir, les simples de roi aux talonnettes légalement élus comme Hitler. Et au projet aussi dangereux qu'un raciste de flic en possession d'un taser. Puis en balade dans nos quartiers où la mixité est tellement loin d'être un échec. Et Matt, sérieux et le contexte, avec comme recommandation de ne plus sourire sur les photos d'identité, avec l'interdiction de rire de tout et de tout le monde. Okay, okay. À la Dieudonné, hey, hey, hey. Evie Buzz. C'est le I pour le VY. Ok, encore une petite Evie ou quoi? Ah, yes, ça y est, les amis. On va. Il y a des gens qui sont là aussi, je suis pas tout seul. Exactement. Donc voilà. Non, mais on va se faire une petite écoute de son, une petite sélection, et après on fait le freestyle tous ensemble, les amis, comme à notre habitude. Voilà. Yes, on se tend la main, on serre par le cou. Exactement, voilà. Parce que c'est la mentalité du venin sur le vinyle, même si tu disais ça en déconnant. Yes, mon ami. Du hip-hop, mon yes, frère. Yes, voilà. Partage. One love. One love. Au passage, ceux qui veulent savoir ce que je fais, maintenant, il y a un site, yes. Voilà, vous tapez la voix du hip-hop.net, /EvieBuzz. Vous allez avoir également ma page, mon site. Il commence à avoir de l'actualité, vous pouvez déjà commencer à tendre l'oreille et jeter vos deux yeux dedans. Yes, okay. Un Facebook aussi. Facebook, EvieBuzz, pas de Facebook pour l'instant, j'ai un site. Facebook, ouais. C'est qu'un lien, on mettra Facebook quand il faudra. Voilà. Ok. Ok, les amis.